Quand est-ce que j'ai décidé de me raser la tête? Ça s'est pas fait en une fois. Ça a été plutôt progressif. Mais je me rappelle très bien d'un été avec mon meilleur pote de l'époque où on avait décidé de se passer un bon coup de tondeuse. On était bronzés, on partait surfer. Et on s'était dit, bon allez, Alec Kelly Slater, on rase. Et c'était le moment où je me suis dit, et on s'est dit, bon en fait, bah c'est cool. Alors, l'ambition du Bold Club, elle est multiple. L'une d'entre elles, c'est notamment que Dwayne Johnson, The Rock, nous rejoigne, parce que c'est un peu le bold parmi les bolds. L'ambition simple de cette boîte, c'est de vraiment de réenchanter la vie d'un chauve qui a des besoins et des contraintes spécifiques et à qui la société ne cesse de faire croire qu'il a un problème alors qu'il n'en a pas du tout. Premièrement, d'assumer. C'est pas un problème, c'est pas grave. Il vaut mieux l'assumer clairement que essayer de le cacher, maladroitement. Ça, c'est vraiment pas terrible. Et la deuxième, c'est une fois que c'est fait, c'est de l'entretenir. Donc c'est de s'assurer de rester bold tous les jours, autant que possible. Et ensuite, le crâne, la tête, elle s'entretient, elle se protège avec des... c'est une peau qui est très fine. Donc il faut l'hydrater, il faut la protéger du soleil, il faut la protéger parfois du froid aussi. Il faut lui mettre des soins la nuit, le jour. Bold, c'est la personne qui assume, qui se rase la tête et qui se dit « je n'ai pas de problème, je suis comme ça et c'est très bien ».